Mettez mon nom, Jack Albron. Jack Albron, est-ce que l'astrologie est un art de prédire ou un art de prévoir, s'il vous plaît? Alors, je dirais qu'il faudrait d'abord s'entendre sur les définitions, parce qu'en employant des mots qu'on ne définit pas, on ne va pas très loin. Il faut aussi savoir distinguer entre ce qu'on dit et les outils qu'on utilise. On peut parler de prévision et avoir des outils prédictifs. Donc ça fausse également le débat. Il faut prendre la peine, avant de lancer un débat, de définir et de préciser de quoi on parle. Et en l'occurrence, il y a un troisième terme que j'aimerais employer au cours de ma causerie, c'est celui de programmation. Donc, en fin de compte, je dirais, est-ce que l'astrologue programme, prévoit ou prédit? Alors, en ce qui concerne la prévision, pour moi, il n'y a pas de prévision s'il n'y a pas de normes générales. C'est-à-dire que on ne prévoit pas sur des cas particuliers. On prévoit sur des ensembles. Donc, faire une prévision individuelle, c'est une contradiction dans les termes. En revanche, la prédiction, elle, serait beaucoup plus axée sur des cas particuliers. Alors, en ce qui concerne les outils dont dispose l'astrologie, sont-ils plutôt de l'ordre du prévisionnel ou du prédictif? Parce que ça aussi, il ne suffit pas que les gens disent « je veux ceci ». Si leurs outils ne correspondent pas à ce qu'ils veulent, il y a un problème. Il semblerait, quand on étudie l'ensemble des dispositifs de l'astrologie, tels qu'ils sont véhiculés dans les différents traités d'astrologie et dans les écoles d'astrologie, il semblerait qu'on soit plutôt dans une démarche prédictive et non pas prévisionnelle. Le simple fait d'ailleurs de faire le thème natal, c'est déjà une approche prédictive. Le thème natal est quelque chose d'individuel. Donc on ne peut pas faire des prévisions sur le thème natal. On peut faire des prévisions à partir de la préférence à une catégorie. À la limite, on peut faire des prévisions sur la base de la préférence à un signe de naissance, un signe zodiacal, qui est déjà quand même beaucoup plus large que sur la base du thème natal. Moi, j'ai beaucoup de réserves sur cette notion des 12 signes. Enfin, en tout cas, sur le plan sémantique, on pourrait faire des prévisions à partir de la préférence au bélier ou au taureau ou au gémeaux, en disant « vous appartenez aux gémeaux, les gémeaux ont tel processus cyclique en cours, donc il y a des chances que c'est ce qui vous arrive aussi dans les grandes lignes. » Mais en revanche, quand il s'agit du thème natal, on n'est pas dans le prévisionnel. Donc là, il y a un problème d'abus de langage qui me paraît important à souligner. Le paradoxe que beaucoup d'astrologues n'ont pas compris jusqu'à ce jour, c'est qu'on peut être dans le prévisionnel et dans le général, c'est-à-dire parler de phénomènes généraux qui concernent des millions de gens, et que cela serve à une personne en particulier. C'est un autre problème. Par exemple, l'anatomie, c'est quelque chose de très général, mais ça permet aussi aux médecins de comprendre une personne en particulier. À condition que cette personne, évidemment, corresponde à la norme de la médecine. Si par exemple c'est un extraterrestre, ou si c'est un personnage qui ne fonctionne pas normalement, ou qui a des dysfonctionnements, alors là, effectivement, le médecin risque d'être un petit peu dépassé par les éléments. Mais globalement, quand on va chez un médecin, globalement, du moment qu'il sait à peu près comment fonctionne un être humain et comment il réagit à tel et tel traitement et quel genre de maladie il peut attraper, le médecin ne sera pas spécialement surpris et il intégrera assez facilement le malade ou le patient dans le cadre d'une généralité. Et donc à ce moment-là, il pourra encore une fois être dans le prévisionnel. Si en revanche, on a un médecin qui ne connaît rien à la médecine, ou dans des périodes anciennes où la médecine était très peu développée, ou très peu structurée, en tout cas elle n'était pas très
très élaborée sur le terrain, à ce moment-là, en effet, si ce médecin n'a pas les compétences, ça va être beaucoup plus compliqué. Et là, on va se retrouver dans des traitements individuels où le médecin va expérimenter sur un cobaye des produits que, en se disant peut-être que ça va marcher, etc. Donc, bon. Alors le paradoxe, c'est que beaucoup d'astrologues qui sont attachés à cette astrologie individuelle, dans la vie courante par ailleurs, n'en voudraient pas en entendre parler. Enfin, on ne va pas chez une voiture qui n'a été fabriquée qu'à un seul exemplaire. On ne va pas prendre un produit que personne n'a jamais testé. Donc, il y a une sorte de schizoïdie qui fait que, dans le cas de l'astrologie, on se permet des expérimentations que l'on ne se permettrait pas dans d'autres domaines. Et j'en arrive à ce thème de la programmation. Pourquoi est-ce qu'il est important de parler de la programmation? Parce que beaucoup d'astrologues disent « Oui, mais de toute façon, ça marche. » Bon, l'astrologie marche, les prédictions qu'il appelle prévisions, bon, puisque c'est une espèce de consigne de ne pas dire que l'astrologie prédit, pour la démarquer de la voyance, probablement, alors qu'elle a tous les outils propres à la voyance, à tel point que beaucoup de tarologues utilisent certains outils d'astrologie, comme les fameuses maisons, qui sont un merveilleux outil divinatoire, soit dit en passant, entre guillemets. En réalité, l'astrologue a d'autant plus de chances d'avoir raison, si on peut dire, et d'annoncer quelque chose qui va se produire, qu'il aura suggéré des choses à son client, qu'il aura influé sur le psychisme de son client, et en d'autres termes, qu'il aura programmé son client. Et programmer quelqu'un, ça veut dire qu'en fin de compte, je n'ai pas besoin de... Je prends toujours des exemples un peu étranges, comme des exemples pris à la mécanique, à la machine, mais si je veux changer un CD dans un lecteur de CD, bon ben voilà, le lecteur de CD, on lui a mis un certain disque, un certain CD, on l'enlève l'ancien CD, on met un autre CD, et puis voilà, c'est terminé. Le lecteur démarre sur une autre musique, sur un autre discours, et puis on peut continuer comme ça indéfiniment à changer périodiquement les CD, ça ne va pas importuner le lecteur. Et d'une certaine façon, bien qu'on pourra me reprocher d'être un petit peu excessif dans ma comparaison, d'une certaine façon, le travail de l'astrologue avec son client relève un petit peu du changement de disque. C'est-à-dire qu'en fin de compte, il ne s'agit pas d'avoir raison, parce que d'une certaine manière, l'être humain, à un certain niveau, il est neutre. C'est-à-dire qu'on peut, imprégner ce qu'on veut dessus. Et donc, par conséquent, si on veut changer le programme, c'est comme quand on change un CD, voilà, il n'y a pas de problème. Et ça apporte une certaine liberté, parce que finalement, voilà, on peut changer, comme on dit, on change de personnalité comme on change de chemise, on change, voilà, on change de signe, on change de planète, on change de regard sur soi-même. Il s'agit donc, quand on dit ça marche, oui, ça marche dans le sens où ça peut faire fonction de programme qui permet à la personne de se considérer et de s'accepter sous cette forme-là. De même que je dirais que tel CD marche parce qu'on arrive à le faire lire par la machine. S'il n'est pas lisible par la machine, évidemment, il ne marche pas. Eh bien, du moment que l'astrologue dit quelque chose qui peut être accepté par le client, eh bien ça marche. Donc c'est comme ça, c'est dans ce terme-là que le mot « ça marche » doit être accepté et compris. Bon, tout ça n'a pas été clarifié par nos amis astrologues. Donc, le paradoxe, c'est qu'effectivement, quand les gens disent « je suis un cas particulier », qu'est-ce qu'ils en savent? Beaucoup de gens s'imaginent que certaines choses ne leur arrivent qu'à eux, ou que le moment où ça leur est arrivé est tout à fait extraordinaire et imprévisible, alors qu'en réalité, d'après le modèle astrologique, ça s'explique très bien. Donc, la notion de norme est extrêmement variable. Elle est subjective et elle correspond à un certain savoir.
que le client a de la norme, de ce qui lui paraît normal, et l'astrologue, lui, il est censé avoir une autre norme que celle de son client, et donc lui proposer, lui dire, voilà, bon, effectivement, votre cas n'a rien d'extraordinaire, donc c'est pas la peine d'en faire tout un plat, c'est pas la peine de croire que vous êtes un cas particulier, non, la norme astrologique vous explique ce qui vous arrive. De même que si une femme tombe enceinte, elle peut croire qu'elle est la première femme à être tombée enceinte, ou que ce qui lui arrive pendant sa grossesse est tout à fait extraordinaire, et on lui explique que, pas du tout, que c'est tout à fait normal. Donc là aussi, il y a une négociation entre le client, le patient, et le spécialiste, le praticien, qui fait que on lui explique que finalement, son cas n'est pas du tout particulier, et donc c'est pas du tout nécessaire d'utiliser une approche particulière. Hein? Bon, maintenant, il faut évidemment observer les choses, remarquer, vérifier que la personne a un fonctionnement normal. Bon, ça c'est évident, mais ça peut se faire assez facilement. Bon, alors maintenant, pour terminer cette première causerie, il est clair que l'astrologie aujourd'hui, est-ce qu'elle possède une norme? C'est pas du tout certain. Alors si elle ne possède pas de norme, on voit pas très bien comment elle pourrait en effet déterminer ce qui est normal et ce qui est exceptionnel. De son propre point de vue à elle. Parce qu'elle s'est dénormalisée en quelque sorte, c'est-à-dire que elle est, au lieu d'avoir une planète qui fonctionne dans une cyclicité régulière, et dont on étudie absolument à fond les différents stades, les différentes phases, elle préfère utiliser plusieurs planètes qui vont s'entrechoquer, s'entremêler, s'intriquer, et on a quelque chose d'une saturation d'informations qui est en contradiction avec la notion de norme. Bon. Donc effectivement, il y a une crise de la normalité en astrologie, et à partir de ce moment-là, évidemment, alors justement, il faut insister sur la différence qui est dans l'esprit de beaucoup d'astrologues entre l'astrologie mondiale et l'astrologie individuelle. C'est une différence qui est tout à fait artificielle en réalité. Il est clair que l'astrologie mondiale n'est pas uniquement consacrée aux événements politiques, aux guerres, etc. Non, l'astrologie mondiale, c'est l'astrologie générale. Il vaut mieux l'appeler l'astrologie générale que l'astrologie mondiale. Et l'astrologie individuelle, c'est l'astrologie particulière. L'astrologie mondiale, c'est l'astrologie de la prévision générale, et elle concerne aussi bien nos cas particuliers, nos cas personnels, parce que justement, nous appartenons à une humanité, nous avons une physiologie, nous appartenons à une espèce, et nous obéissons au destin, au cycle de cette espèce. Donc, l'astrologie mondiale, il ne faut plus faire l'impasse sur l'astrologie mondiale, elle est absolument essentielle. L'astrologie mondiale, c'est le socle même de la pratique prévisionnelle de l'astrologie. Inversement, l'astrologie individuelle, ce qu'on appelle l'astrologie individuelle, c'est déjà autre chose. Ça n'est plus une astrologie générale auquel va se référer une personne qui appartient au groupe de l'humanité, en quelque sorte. C'est supposé être l'étude d'un cas particulier qui n'est pas dans la norme, qu'on n'a pas précisé d'ailleurs par ailleurs. Donc c'est la représentation que le client a de la norme qui va servir de référence, ce qui n'est quand même pas tout à fait évident. Donc c'est le client qui va imposer à l'astrologue sa propre idée de ce qui est normal et ce qui n'est pas normal, ce qui n'est pas non plus acceptable. Et effectivement, cette astrologie génétique, cette astrologie du thème natal, c'est une astrologie prédictive, il faut dire les choses comme elles sont, une astrologie prédictive, une astrologie divinatoire, et c'est une astrologie qui trahit en quelque sorte sa mission fondamentale.